mettre un peu, hein. Voilà, c'est ça. Donc, intro, ça va? Alors, la famille de djembé, de dounou, de danse, de kora, de chant, de balafon, wassa wassa, yeah! Je vous salue tous, je vous salue les djembé fola de Portugal. Je suis très content de repasser ici encore parce que cela faisait 7 ans que j'ai quitté. Et mon retour ici, j'ai trouvé vraiment le travail que vous avez accompli pendant ces années. C'est super. Je suis très content. Non seulement de votre ouverture d'esprit, parce que vous avez appris avec différents maîtres et que j'apprécie beaucoup, vraiment, parce que c'est ça l'esprit de la musique ouest-africaine. C'est vraiment être ouvert, être libre comme les djembé, être libre comme les dounou, comme les balafons, pour pouvoir s'enrichir davantage. Et c'est super positif ce que vous faites ici. Donc je suis vraiment très content. Alors, le premier accompagnement, ça fait... Deuxième accompagnement, et je voudrais par la même occasion remercier toute l'organisation qui m'ont invité ici pour venir assister non seulement à la conférence sur la culture et la tradition africaine. C'était super, vraiment je suis très honoré, j'ai été, comment dire, très satisfait et très content de la journée d'hier parce que c'était rempli d'informations. C'était une journée très remarquable. Yeah, c'est bon, c'est très bon. Maintenant on va faire le deuxième accompagnement. Droite.
Aujourd'hui, on va faire tous les solos. Je félicite une dernière fois encore tous les Djembe Fola, tous les Dounou Fola, les danseurs, joueurs de balafon, bref, la communauté de musique ouest-africaine de Portugal. Je vous félicite et je vous souhaite beaucoup de chance et beaucoup de succès et j'espère vous retrouver la prochaine fois. Et je vous dis à bientôt, Aïnike, Wounou Wali. Wassa wassa! Merci pour votre courage et merci. Très content.